Apocalypse. Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous retrouve pour un calendrier de l'Avent. Donc, c'est le calendrier de l'Avent de Lancôme. Donc, je l'ai reçu aujourd'hui. Je l'ai commandé samedi. En fait, il est sur le site Lancôme au prix de 99€. Mais moi, j'ai eu un code promo qui m'a permis de l'avoir à 72 ou 75. Je vous le mettrai en barre d'infos. Et du coup, en même temps, ils vous mettaient un petit coffret découverte avec des produits Lancôme. Donc, c'était très intéressant pour un calendrier de luxe. Je trouvais à moins de 80€. Franchement, ça valait le coup. Donc, du coup, je l'ai reçu dans un carton. Je vous montre comme ça, avec un papier de soie. Donc, c'est un papier de soie Lancôme. Et on avait une petite carte comme ceci. Hop. Et en fait, à l'intérieur donc de l'enveloppe, on a donc en fait ça c'est, il vous donne le, vous savez, le petit coupon pour renvoyer si vous voulez retourner le calendrier avec le bon de retour. Et là, on a une petite carte avec les remerciements de Lancôme. Nous sommes heureux de vous faire découvrir ces produits. Vivez l'expérience Lancôme et partagez votre avis. Donc, je partage avec vous. Donc, moi, je veux vous le faire découvrir parce qu'en fait, grâce à beaucoup de youtubeuses qui ont fait des vidéos sur les calendriers de l'Avent, ça m'a permis de faire des économies. Parce que c'était le Glossy Box qui me tentait bien. Il était quand même à 100€ et en fait, j'ai été très déçue par le contenu. Donc, c'est vrai, de faire des vidéos et de montrer ce qu'il y a à l'intérieur, c'est vraiment chouette. Donc, on commence. Je vais ranger donc cette petite enveloppe que je vais garder d'ailleurs, parce que je trouve que c'est vraiment classe, quoi. On voit vraiment le détail. Je vais mettre ça là. Hop! J'ouvre le petit papier de soie. Je vous montrerai le calendrier après. J'ai reçu donc en cadeau, en fait, ils vous offraient ça pour tout achat. Alors, je ne sais plus, c'est à partir de combien de montants. Ils vous offraient cette boîte à l'intérieur. Alors, regardez, du coup je vous montre, j'ai pas ouvert, hein. Vous voyez, c'est fermé avec un petit papier de soie, très jolie boîte en cône, quoi. Alors, je vais découvrir avec vous ce qu'il y a à l'intérieur. Waouh. Enfin, déjà, quand je vois comment, enfin c'est dans le détail, vous savez, le petit truc qui fait que, oh ben en fait, il n'y a que 3 échantillons. En fait, pour une boîte comme ça, ils ont mis ça, voilà. En fait, ils ont mis, c'est un tonique douceur. La vie est belle, deux échantillons et un tonique douceur. Donc, c'est vrai que pour, vous voyez, pour la taille de la boîte, ils auraient pu mettre un petit truc un peu plus gros. Mais bon, je garderai la boîte, elle est très jolie, quoi. Regardez, très jolie boîte. Ça fait un peu une boîte même cadeau, d'ailleurs. Très jolie. Hop! Et donc, on commence par le calendrier. Donc, le voici, il est lourd. Donc, il est protégé avec un papier plastique. Alors, je vais enlever le carton. Et le voilà. Donc, comme je vous dis, il était à moins de 80€, quoi. Avec la tour Eiffel. Donc, il est plastifié. Il y a comme un plastique dessus. Et donc, il s'ouvre comme ça. Voilà. Waouh, il est très très beau. Alors, est-ce que ça s'enlève, ça, d'ailleurs? Il y a un plastique juste devant. Est-ce qu'on enlève ce plastique? Ah oui, en fait, il y a le plastique là que vous avez, il s'enlève comme ça, ça se glisse. Voilà, et du coup, je vais enlever partout, vous voyez. Voilà, et du coup, ah oui, après la boîte, oh, la boîte, elle est magnifique. Je vais vous montrer sans le plastique, il faut que j'enlève. Ça, c'est le genre de boîte qui finira pas à la poubelle. Et comment on l'enlève, celle-là? Parce que du coup... Ah oui, il faut faire glisser comme ça. Voilà. Oh, ça sent bon. Hein. Regardez. Du coup, il est sans son plastique. Il est magnifique. Il est trop, trop beau. Donc, je le rouvre. Et le voici. Avec la tour Eiffel. Il est couleur or et rosé. Il est juste trop beau. Je commence, je vais le poser à côté de moi pour ne pas faire un carnage et pour pas qu'il tombe. Donc je vais vous montrer donc la case numéro 1, elle est ici. Donc je vais ouvrir la case numéro 1.
Donc là, c'est Absolu Laqué, donc le numéro 135BE, c'est une laque à lèvres longue tenue. Donc j'ai. Hop. Alors, je vais vous montrer. Donc, ça sent rien de spécial. Donc, c'est dans les tons rouges. Moi, je ne mets pas de rouge spécialement. Donc, je pense que je le ferai gagner sur Instagram. Ensuite, case numéro 2. Vous voyez, ça fait un peu. En fait, quand il y a un petit crochet pour attraper. Donc, ça va. C'est vrai que si on a des ongles, c'est mieux. Ah, bah, si je vais faire comme ça, ça va être mieux. Donc, case numéro 2, c'est un baume à lèvres nourrissant au miel et à la rose. Donc ça, c'est super. Franchement, c'est top. En plus, ça sent super bon. Génial à découvrir. Ensuite, case numéro 3. Ah, ça, c'est un produit qui est quand même assez imposant. Donc, c'est un lait démaquillant doux aux extraits de papaye. Donc ça, c'est super, super contente. Un lait démaquillant Lancôme. En plus, le contenant, il fait 50 ml. Donc c'est quand même un gros contenant. Le petit baume pour les lèvres, lui, il fait 5 ml. Ça sent super bon. Donc super contente. Je vais tester. Ensuite, la case numéro 4. Et la case numéro 4, c'est une laque à lèvres longue tenue, brillance et couleur modulable. Donc, qui se présente comme ça, dans les tons violets. Donc, brillant, moi, vous savez que j'aime pas tout ce qui est. En fait, tout ce qui est un peu brillant sur les lèvres. Donc, je pense pas que je le. Je sais pas si je les utiliserai. Bon, je verrai au pire, je les mettrai sur Instagram. Ensuite. La case numéro 5. Hop. Donc, c'est un démaquillant nettoyant moussant. Alors ça, c'est top. Parce que justement, il me fallait un genre de nettoyant pour le visage. Donc, à tester, Lancôme. Donc, super. Je suis contente. Ça sent super. Hein. Oh là là. Donc, super. Et ça fait un contenant de 15 ml. Ensuite, la case numéro 6. Donc, c'est une petite laque à lèvres brillant. Donc, celui-ci, je trouve la couleur, elle est jolie. Rouge et violet pétant, j'aime un peu moins. Celui-ci, elle est jolie. Donc, à tester. Ensuite, la case numéro 7. La case numéro 7. Elle est quand même grande, la case numéro 7. Donc c'est un effacerne longue tenue, soin teinté, unifiant anti-cerne. Alors ça, c'est pas mal, ça se présente comme ça. Je vais le mettre sur la main. Alors, hop, parce que ça je vais le garder. Parce que ce que je mettrai sur Instagram, c'est des produits que je n'utilise pas. Un soin teinté anti-cerne. C'est comme ça. Bon. À tester. Ça n'a pas d'odeur en particulier. À essayer. Ensuite, la case numéro 8. Donc, c'est un crayon noir cool. Donc, super. Toujours utile. Un petit crayon noir pour les yeux. Ensuite, la case numéro 9. Elle est juste au-dessus. C'est une crème activatrice de jeunesse. Donc ça, c'est génial à tester. Donc c'est une crème qui fait un contenant. Ça sent super bon. De 5 ml. Donc ça se présente comme ça. Donc super. Ensuite, la case numéro 10. 10, 10, 10. Elle est là-bas. Oh, regardez-moi comme c'est joli. Waouh. C'est un rouge à lèvres. Rouge, bon. Un rouge à lèvres rouge, il est trop joli.
Super joli, le packaging est très joli, très classe. Petit rouge à lèvres rouge. Ensuite, la case numéro 11. Ah, encore une petite laque à lèvres, c'est ça, c'est la numéro 11. Je vais regarder si c'est dans la même catégorie que les autres. Alors, je vais mettre numéro 11. Ah non, en fait, c'est un rouge à lèvres fini mat. En fait, ça a l'air brillant. Mais en fait, c'est pas les mêmes. Ça, c'est un rouge à lèvres, celui-ci. Un rouge à lèvres fini mat. Celui-ci, c'était un rouge à lèvres. Vous voyez, c'est en fait, c'est pénible. C'est qu'il faut les retourner à chaque fois. Ça, c'est un rouge à lèvres galbant hydratant. Ensuite, le rose qu'on avait, c'était juste avant. Alors, il est où? Donc c'est pareil ici, c'était une laque à lèvres tenue et brillance, donc c'était pareil. L'autre comme ça, c'est pareil, c'était une laque tenue à lèvres, donc modulable, donc c'était dans la même catégorie. En fait, les trois là, c'est les mêmes. Il y a juste le orange là, pour l'instant, c'est un mat, donc ça, c'est génial. Ça, franchement, top quoi. Ensuite, je continue. La case numéro 12. Ah. Alors, la case numéro 12, c'est un démaquillant biphasé. Comme ça. Donc, super. On se sert toujours. En plus, c'est le même démaquillant que j'ai eu dans leur petit cadeau. Donc, super. Démaquillant biphasé. Ensuite, la case numéro 13. Donc, la case numéro 13. Donc, c'est un activateur de jeunesse. C'est un sérum, ça. Ouais. C'est un sérum activateur de jeunesse. Donc, c'est super à tester. Ce que j'aime beaucoup, moi, c'est la marque Guerlain. Il n'y a pas d'odeur. J'utilise Guerlain pour leur sérum et tout ça. Donc, Lancôme, ça sera à tester. 14. C'est un rouge à lèvres. Alors, je vais vous dire ce que c'est, par contre. 14. Lancôme l'année prochaine. Mettez un papier dedans des box. Enfin, pas des box. Ouais, je suis conditionnée dans les box, dans le calendrier. Ce qui permettrait que les gens évitent de les tourner. Donc, c'est la numéro 14. Laque à lèvres longue tenue, brillance et modulable. Donc, c'est pareil. C'est une laque à lèvres. Donc, c'est dans la même catégorie que les autres. Par contre, celle-ci, elle a l'air un peu pailletée, brillante. Je ne sais pas si on voit, il y a des petits reflets pailletés. Donc, on continue. Ouais, du coup, donc la numéro 15. Waouh! C'est pas une palette. Hein. La numéro 15, c'est un gel douche parfum vivifiant La vie est belle de Lancôme. Oh, ça, je suis super contente. Et en plus, le contenant, c'est 50 ml. Regardez. Waouh, alors ça, je suis trop contente, quoi. Oh, oh là là, ça sent trop, trop bon. Oh là 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 là. J'adore. Ah, ça, c'est le genre de produit, vous voyez, que je rachèterais. Ça, c'est sûr. Oh, ça sent trop, trop bon. Donc, super. Ensuite, la case numéro 16. Donc, c'est un hydratant, une crème gel hydratante anti-stress. C'est un contenant de 15 ml. Donc, ça se présente comme ça. Je vais sentir. Ah, on se met sur le nez. Ça, c'est rose. On ne voit pas très bien là, avec la caméra, mais c'est rose. Super. Super produit. Je suis contente. Numéro 17. Alors, la numéro 17, c'est un gel douche de Lancôme. En pareil, il fait 50 ml. Regardez, oh, super joli. Donc, c'est des très gros produits. Hein. Oh là là, ça sent trop bon. Super, je suis trop contente. Voilà, ensuite, la numéro 18. Voilà, la taille, regardez la taille. Ça fait 15 ml. Donc c'est une crème Rénergie Nuit Multi Life.
crème nuit, visage et cou. Donc ça, c'est génial. Je suis trop contente. Oh, ça sent trop bon. Comme ça. Le packaging, en plus, c'est trop joli. Ça fait un peu un bleu-violet. Super, je suis trop contente de tester ça. Ensuite, le numéro 19. Hop. Alors, le numéro 19, c'est un rouge à lèvres crème. Donc, il se présente comme ça. Il est super joli. Donc, dans les tons un peu rouge-rosé. C'est pas le même que l'autre, d'ailleurs. Crème, si, c'est un rouge à lèvres crème. Ah, oui, celui-là, c'est le 368. Et celui-là, c'est le 132. Venez, je vais vous montrer la différence. Enfin, moi, après, ouais, celui-là, il fait un peu plus rose que celui-là. Ouais, celui-là est plus foncé que celui-là. Bon, après, c'est à peu près pareil. Bon, ça, c'est pareil. Je les ferai, je les mettrai pour un concours. Ensuite, 20. Alors, la numéro 20, c'est une crème de nuit, soin de nuit hydratant anti-stress. Ça, c'est un régénérateur. En fait, c'est le... Ça, c'est la crème qui était de jour. Et ça, c'est la crème de nuit. Donc, en fait, vous avez le complément jour-nuit. Donc, super. Je suis contente. À tester. Ensuite, la numéro 21. Alors, c'est un rouge à lèvres. Donc, c'est le numéro 202. Waouh. Alors là, par contre, celui-là... J'adore, j'aime bien les couleurs nudes comme ça. Celui-là, il est trop beau. C'est le numéro 202. Il est trop beau. Magnifique, super. Ensuite, la numéro 22. Alors, c'est quoi? Est-ce que je peux lire c'est quoi? Ah, bon, sinon, je vais ouvrir, je suis bête. Alors, ça s'ouvre comment? Ah, c'est un mascara. C'est un mascara. C'est le Hypnose Drama. Waouh, super. Je suis contente de pouvoir le tester. Parce que j'avais essayé le Hypnose, mais il y a très, très, très longtemps. Donc, c'est un mascara Hypnose à tester. Donc, c'est un contenant, est-ce qu'on voit 2 ml. Donc, il est quand même grand. Il y a de quoi faire. Donc, super. 22, 23. C'est bien, prévoyez un truc hein, pour vous aider. Alors, là, bah, c'est les mêmes, ça. Pourquoi, c'est quoi ça, alors, Lancôme Drama, Hypnose Drama. En fait, ça, c'est le mascara Lancôme Hypnose Drama. Et ça, c'est le carrément le vrai, regardez, c'est carrément le vrai mascara de chez Lancôme, quoi. Et que sa brosse, elle est comme ça. Sans rien de particulier, carrément le mascara, super, franchement. Ensuite, 23, bah c'est la dernière. Après, ça y est, il est fini. Donc, la dernière case, on va voir ce que c'est. Wow. Oh, mince, le bouchon il est parti. Voilà, regardez. Un miniature de La vie est belle de Lancôme. Trop mignonne. Franchement, elle est trop jolie. Elle va aller rejoindre sa copine là-haut de Dior. Oh, ça, il sent trop bon ce parfum. J'avais jamais testé. Eh ben, il sent trop bon. En plus, avec la le gel douche là pour se laver, La vie est belle. Oh, il sent trop bon. Donc, bah voilà, je regarde, hein, je vérifie quand même qu'ils n'aient pas mis une petite case bonus. Donc voilà, une fois ouvert, il est comme ça. Donc moi, je le trouve pas mal. Je trouve qu'il est sympa, ça permet de découvrir. Après, je trouve juste, pour faire le point, en fait, ils ont mis peut-être un peu trop de rouge à lèvres comme ça. Ils auraient pu mettre une ou deux couleurs. Après, en mettre autant, je ne suis pas sûre que ce soit utile. Les rouges à lèvres comme ça, c'est pareil. Ils auraient peut-être pu en mettre un ou deux. Et puis, à la place, mettre une autre chose. Make-up, je ne sais pas, un crayon pour les lèvres. Un tout petit échantillon de fard à paupières. Je ne sais pas, ils ont une gamme vraiment élargie.
Après, il est très bien, ça fait vraiment tester leurs produits crème et tout. Bon, c'est un très beau calendrier, je trouve que pour le prix, moi comme je vous dis, je l'ai eu à moins de 80 euros, je trouve que c'est quand même correct. Donc, bilan, il est bien. Il est bien, après, voilà, ce qui serait bien, c'est que les autres années, ils mettent d'autres choses différentes que voilà, de tourner avec des rouges à lèvres. Bon, du coup, sur le bilan, moi, je vais garder deux rouges à lèvres et les autres, je vous les mettrai à gagner sur Instagram. D'ailleurs, je ferai un petit concours bientôt où je vous ferai gagner comme ça les produits des calendriers que je n'ai pas utilisés. Donc, je vous ferai un genre de petit calendrier sur Instagram de l'avant où vous pourrez gagner pour Noël, quoi. Dites-moi vous ce que vous avez pensé de ce calendrier. Je vous retrouve bientôt pour un autre qui arrivera là très prochainement. Je vous dis à très bientôt, je vous embrasse. N'hésitez pas à aller voir celui de Succès Beauty aussi et puis celui de la Yankee Candle Box. Je vous embrasse, à très bientôt.